réel plaisir à procéder aujourd'hui à l'installation de deux fervents serviteurs de la République. Monsieur Joseph-André Gratien-Jean, ministre chargé des questions électorales. Monsieur Erwil Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires. Messieurs les ministres, votre nomination intervient à un moment critique de notre vie de peuple, où les défis sont nombreux, mais où les opportunités de changement et de redressement le sont tout autant. Monsieur le ministre Joseph-André Gratien-Jean, votre action s'inscrit dans l'un des chantiers les plus déterminants de la transition, selon les termes de l'accord du 3 avril 2024. L'organisation d'élections transparentes, honnêtes et crédibles. Pour le 7 février 2026, les nouveaux dirigeants issus des urnes prennent la commande de la Banque nationale. Le peuple haïtien, après des années de crise, réclame un processus électoral digne. Cela nécessite une planification rigoureuse, une gestion impartiale et des décisions courageuses. Je vous invite à ce sens, à travailler en étroite collaboration avec le Conseil électoral provisoire et nos partenaires internationaux, de façon à assurer un cadre institutionnel fort et sécurisé dans lequel chaque citoyen, chaque citoyenne pourra exercer son droit de vote librement et en toute sécurité. Il vous incombe une responsabilité historique, celle de mettre à profit votre expertise pour que la voie qui nous conduit aux élections soit débroussaillée de manière harmonieuse. Nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour garantir le succès du processus électoral qui est une étape cruciale vers la stabilité politique. Le renforcement de l'État de droit et le relèvement de notre pays. Il s'agit d'une opportunité historique pour restaurer la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et les institutions démocratiques aujourd'hui dysfonctionnelles. Je compte sur votre leadership, votre savoir-faire et votre capacité. Je m'engage à vous fournir le soutien nécessaire pour que vous puissiez remplir cette mission sacro-sainte dans le seul objectif de réaliser des élections crédibles. Nous devons honorer cette promesse faite au peuple haïtien. C'est une obligation, un devoir patriotique. Quant à vous, M. Erwin Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, il est inutile de vous rappeler l'importance de votre mission qui s'entoure du label social et humanitaire. Vous êtes appelé à agir en faveur des plus vulnérables, particulièrement en ce temps de crise où des milliers de nos compatriotes sont contraints de fuir leur foyer en raison de la violence des gangs armés. D'une part et d'autre part, en regard à ces nombreux compatriotes déportés que nous accueillons par centaines. Dois-je souligner à votre attention que le gouvernement a placé au cœur de ses priorités l'engagement des populations en détresse. Cela implique une réponse d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire, l'accès à des abris sûrs et aux soins de santé et un plan à court terme pour les réintégrer dans les conditions dignes de la personne humaine. Monsieur le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires, je réaffirme une fois de plus mon engagement ineffectible à répondre aux besoins des plus démunis. La fonction que vous occupez doit être le symbole de notre solidarité collective, un levier pour soulager les souffrances des plus vulnérables et une main tendue pour accompagner celles et ceux qui font face à des difficultés insurmontables. Nous ne pouvons ignorer la précarité dans laquelle vivent une grande partie de nos concitoyens.
exposés aux crises économiques, environnementales et sociales. Le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires a pour mission de renforcer les actions de proximité, de mobiliser des ressources avec les partenaires et de coordonner des réponses efficaces face aux urgences sociales humanitaires. Nous devons travailler à bâtir un État qui protège ses citoyens, les plus fragiles, et les aide à retrouver leur dignité et leur autonomie. Votre ministère devra également renforcer les mécanismes de solidarité nationale en favorisant les synergies entre les secteurs publics et privés en coordonnant des interventions humanitaires rapides et efficaces. Vous êtes l'incarnation de l'engagement du gouvernement à ne pas abandonner celles et ceux qui souffrent, à leur donner espoir et à les intégrer dans une perspective d'avenir plus juste, inclusif et surtout digne. Messieurs les ministres, le défi électoral et l'urgence humanitaire ne peuvent être relevés que si nous agissons de manière concertée. Avec une vision commune et un sens aigu des responsabilités et de patriotisme, tout en vous appuyant sur les 5 grands chantiers du gouvernement qui doivent vous servir de boussole dans vos actions quotidiennes, je vous invite, messieurs les ministres, à travailler avec dévouement, transparence et engagement du service à la population. Sachez que je serai toujours à votre écoute dans l'accomplissement de vos missions respectives. Je tiens à vous rappeler les 3 mots qui constituent le leitmotiv du gouvernement. Le temps presse. Il nous faut nous atteler à atteindre les objectifs de l'accord du 3 avril 2024, qui sont la sécurité nationale, le redressement économique, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit, les élections pour le renouvellement du personnel politique. Mes remerciements vont également aux éventuels collaborateurs des secteurs vitaux de la transition et de la vie nationale, aux partenaires nationaux et internationaux. Ah oui, moi je dis un gros merci déjà dans moi qui pral venir là yo, bay chamrelé, jeune simaye la paix avec l'espoir qui pral déployer dans 10 départements, communes, sections communales, quartiers, toute la commune d'Haïti sans distinction. C'est un gros travail de sensibilisation et d'éducation toute population pour impliquer dans la transition. Et ces jeunes filles et jeunes garçons vaillants qui ont fait le travail ça, parce que c'est eux qui prennent pour mener le pays dans 10 à 20 années qui ont fini dans le 21e siècle qui se siècle par eux. Jouer pour nous la jeunesse, jouer pour femmes et jeunes femmes. Transition ça, c'est un gros rendez-vous pour nous porter tout changement nous voulons dans la question de reconnaître plus de droits nous gagner à participer dans la question politique et électorale pays. Comme ça, dans la 6 conférence nationale qui a pour faire dans 10 départements pays, dans le mois de janvier 2025, pour discuter sur ce qui m'a dit repasser main dans la Constitution, tant que sous Jean l'État et société a marché ensemble. Sous genre relation pays d'Haïti doué ou doué avec l'autre pays dans le 21e siècle, ça, nous doué là. Dans la consultation pour le travail sur la constitution à Feyo, nous doué répondre présent. Dans le référendum qui a bien pour faire, pour pita, dans le mois de mars 2025, là, nous doué sortir à l'adopter la constitution qui a bien gros même passé fait là-dedans. Là. Dans l'élection qui a bien pour démarrer pour pita, non, mois avril 2025, là, nous devons parler pour nous aller candidat, ça qui voulait diriger le pays. Dans le jour élection qui a bien pour faire, pour PITA, dans le finissement, l'année 2025, là, nous devons aller voter.
Voter candidat qui n'en gounou, ak programme nous est bon pour établir la sécurité, la paix et le progrès dans le pays pour un peu de temps. Pour nous finir, et pour mettre bout dans la transition, ça, qui doit être cette dernière, jusqu'à 7 février 2026, là, nous ne pouvons pas pour nous fêter un président tout neuf qui est élu, mais un nouveau démarrage pour un Haïti qui est stable politiquement, qui a sécurité, qui a progrès, qui a un travail, bonnet, par les petits jeunes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est venu le temps pour nous de parler solidarité, sécurité et humanité. Si nous voulons entamer le vrai virage vers le nouveau et définitif départ, car, après tout, la solidarité est une valeur profondément ancrée dans la culture haïtienne qui est occultée malheureusement par la crise humanitaire qui nous ronge. Nous devons renouer avec cette valeur sûre en réponse à la crise de façon durable. Quand l'haïtien vous dit, par exemple, manger sous dife pas gen met, si gen bouillon gen boudé, ou encore, qui ne se souvient pas de cet élan de solidarité qui nous habitait tous et toutes au lendemain du 12 janvier 2010. À mes collègues ministres, je lance un appel à la mise en commun, à l'addition de nos efforts et à la mutualisation de nos ressources. Condition sine qua non pour transformer les souhaits et la volonté du Premier ministre exprimé lors de son investiture en fait palpable et indéniable. Vous pouvez compter ou continuer à compter sur moi, chers membres du cabinet ministériel, sur ma disponibilité qui se veut totale et infatigable. La population a toujours exigé d'être au courant de tout ce qui s'est fait au sommet de l'État. Elle réclame de la transparence. Moi, à mon niveau, la GADRA a informé des solutions adoptées dans le but d'adresser les problèmes qui l'épuisent. Pierre Bougot, Canadien et homme politique au grand talent d'orateur, affirmait « À quoi nous servirait d'avoir les meilleures solutions si toujours nous les retenons pour nous-mêmes, de crainte d'effrayer quelques personnes ici et là ?» Les plus grandes vérités sont souvent les plus difficiles à formuler, à entendre, à accepter, mais pourtant celles qui libèrent. En tant que ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité aux affaires humanitaires, je me positionnerai toujours le plus proche des désiderata des plus vulnérables. Moi, Pape Jean Suspend, en Saint-Mathieu, réfléchis et puis jouez une solution qui a plus bon pour vous.